Avant qu'il ouvre la conférence. Madame. En fait, est-ce que je vous rappelle que Aigo bien expliqué parce que c'est dans le même combat, donc tu fais une vraie sans même. Et Aigo, je vais gagner une terminale, mais je vais un petit peu ce que vous voulez, c'est que je l'apprécie, parce que je ne fais pas contre en tant que ministre de la démocratie, qui est toujours un watchdog de la démocratie, surtout pour l'antipartisme et certaines affaires. Et une affaire à déplorer, c'est l'Express qui a publié la liste des candidats. Et finalement, désigne ce dont nous allons là, c'est mon nom, et M. Gambert qui m'a mis dans le nom. On les fait des pilotes là. Et qui paraît qu'on l'a baissé récemment en les monimilitaires parce qu'on ne peut pas arrêter ces pays. Alors, c'est une affaire à déplorer. Franchement, nous ne pouvons pas connaître qui vous dire. Et que ça a la distance qui n'est pas autour. Et nous parlons là. Alors, vous me demandez, les gens ne servissent pas. Pas faire une affaire comme ça. Au contraire, demain, mais c'est une affaire pour le pays. Nous avons une large, une équipe de famille, nous avons une groupe finance dans nos affaires pour être capable d'avancer pour le pays. Le côté, je n'ai la force. Qui fait couillonner le peuple et grand matin, c'est avant eux. Couillonner le peuple qui dit après la cible parole, le peuple qui dit après la délo 24, 27, pour sortir à l'eau, nous avons tous avec gobelet de l'eau comme le peuple dans cette erreur. Ouais, mais couillonner le peuple. Mon boulot, ça, faut qu'on le presta en abordant deux sujets, un au sein de l'organisation et un qui est la déclaration. Le challenge qui nous présente est grand. Finalement, nous représente vraiment un sujet formidable. Il y a un sujet qui est avec nous, qui est très joli. Mais malheureusement, ni jeune, en tant qu'étudiant, ni penser qui, tout ça est des choses-là, n'est pas capable de poser en même temps. Je vous dis que je parle pas, je vous dis que nous, nous avons décidé qu'il n'y a pas de candidat, donc il y a des grands. C'est pour ça que nous sommes ici. J'appelle Vivette Chevite, pays des cas, j'ai AULM qui se pose candidat dans la circonscription numéro 7. La déclaration de sa commune. Vous me demandez, Mme la Gazette, analyse sa histoire-là avec beaucoup de profondeur. Dans le formulaire, il nous est rempli. Nous venons d'avoir deux options. La première option, qui est l'ancienne option, on a trois communautés à déclarer. Soit pour appartenir à ce qu'on appelle la religion, à l'hindouisme, ou à l'islam, deuxième communauté. Et troisième communauté, soit ou d'origine de Chine. C'est-à-dire, vous trouvez que les trois communautés qui sont dans la Constitution, deux religieuse et un d'origine géographique. Voilà les trois communautés identitaires qui paraissent dans le Constitution. Maintenant, si un timoun dit qu'il n'est pas venu à sa propre communauté, ou il décide ou n'a pas déclaré sous sa communauté là, la Constitution permet de déclarer sous la communauté l'identité de la population générale. La population générale, il n'y a aucune autre identité que de n'avoir aucune identité. Mais j'ai oublié la identité quand on dit que la population générale. Moi, dans le passé, je suis plutôt déclaré dans la communauté générale, dans la population, parce que je suis plutôt considéré qu'on n'a absolument aucune communauté. Mais cette fois-ci, après les démarches qui nous fait en 2010, parce que moi je dans l'élection en 2010. Pour mon candidature, c'est rejeté. Et les là, il amène ça aux Nations Unies et au Premier ministre, pour nous gagner un amendement de la Constitution à travers les actions que je m'appelle l'option 4. Au fait, en 2010, le mouvement communiste dit, mais 22 candidats à l'élection, et parce qu'il est dans le pays. Cette fois-ci, l'autre option, c'est de dire qu'on ne va pas déclarer sa communauté. Vous voyez ça, les camarades, pour moi, qu'est-ce que c'est que la sémantique?
C'est-à-dire, moi, mon objectif cette fois-ci, pour ne pas déclore de communauté alors que je n'ai pas de communauté. Au fait, quel acte tu me fais, quel bravoure, okay, que de dire que je ne déclare pas ma communauté alors que je n'ai pas de communauté. Sans doute, ceux qui ont une communauté, qui décident de ne pas déclarer une communauté, sans doute, ceux qui ont une communauté, de confiance. Maintenant, dans nos membres, nous, l'organisation constituée de 4 organisations et 5 individus. Et ce qui se la gardait pas, comment ça vient, je vais donner une explication. Je ne suis pas plus mais si ça veut dire que sur les vidéos là, on a l'explication. On a 4 organisations qui sont le mouvement Loge, la première organisation, RCP, JPM et MCM, et 5 individus. Maintenant, le statut de l'entente pour la démocratie parlementaire, globalement, une juive, une dième qui ne pas, et n'a pas d'école. Au fait, nous n'avons pas donné de mot d'ordre allemand, laissant la évolution de leur conscience politique déterminer que je me situe les autres par rapport à dire qu'une telle communauté n'est pas déclarée, dire que la telle communauté est déclarée pour la population générale, ou soit d'autres points, choisir une communauté à train d'homme. Choisir à train d'homme, c'est-à-dire qu'on a la ligne de fer, ça fait une tirage du sort, ça fait une telle communauté. Alors, dans le monde, s'il y a au moins 3 personnes qui déplorent cette communauté, avec la justification que c'est le droit fondamental d'affirmer ce qu'ils sont. Et cela est respecté dans le monde. Et bien évident, dans les semaines, dans les mois à venir, le gouvernement va amener une démarche de la question, puisque la déclaration des communautés disparaît dans nos constructions de l'économie. Il n'y a pas pour rien à ce problème-là.